Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Earth of Iron 4 avec l'Union Soviétique. Et aujourd'hui nous allons aider nos camarades espagnols en essayant déjà de reprendre Cordoue et Séville, puis après Cadix. Donc nos troupes vont se panifier. Il y a déjà des troupes allemandes qui sont arrivées, bon ça risque d'être la guerre. Alors l'Union Soviétique se développe assez vite, alors je vous conseille... Quand vous n'avez pas modé le jeu, jusqu'en 38, vous faites que de l'industrie civile, puis après vous ferez que de la militaire. Voilà. Et ici, on va lancer un assaut avant qu'il soit totalement prêt. On s'en fiche qu'ils assurent la sirène. Ça nous permettra de nous faire beaucoup d'XP. Ça nous fait beaucoup d'XP d'attaquer, enfin d'aider l'Espagne au niveau militaire. Ça nous permet dans toutes nos divisions de rajouter, vous voyez ici, de rajouter notamment la reconnaissance, l'artillerie, etc. La majorité de nos divisions n'y ont pas accès, ce qui est un gros malus pour nos troupes, croyez-moi. Voilà, donc là, la bataille d'Espagne se passe tranquillement. Mon industrie se développe, mais il faut toujours plus. J'ai déjà construit 4 depuis le début de la partie, enfin début de du let's play. Donc nous, alors accès militaire, ça me dérange pas. Faut que je surveille Madrid. Si jamais on perd Madrid, faudra que j'envoie rapidement des troupes aider à la reprise. Combat des collines, rangers, ça ne se prend pas. Bon, ça avance assez vite. Faut que je me prépare aussi à cette guerre-là. Faut que j'aie debout. En fait, ce qui peut être déroutant dans ce que je vais faire, faut qu'on aide l'Espagne suffisamment vite pour qu'en même temps, faut que j'aide suffisamment violemment pour pouvoir l'aider, mais pas trop pour que je puisse me mixer pas mal dessus. Parce qu'à un moment, je dois replier mes troupes pour faire la guerre avec l'Iran et l'Irak. Attendez, je crois qu'il y a priorité... Apparemment, on peut contourner cette priorité nationale. Ceci contournant la priorité Iran ne possède pas... D'accord, c'est là, je peux... Je peux contourner cette priorité nationale au besoin. Alors là, c'est pour développer l'attaque génie en traversant les rivières. C'est vraiment le but vraiment d'XP un peu toutes mes armées. Là, le matériel de soutien va m'être très utile, étant donné qu'il va m'en demander beaucoup quand je vais modifier mes armées. Division scientifique, c'est fait. Nouvel emplacement de recherche directement. Après, nous allons faire ça et ça. Les deux plans quinquennales. On va faire les grandes purges. Et après, on ira tout de suite en diplomatie antifasciste. Ouais, c'est dans cet ordre-là. Je réfléchis, je vous ai pas dit une connerie dans l'ordre. Tout de suite, on prend ça pour améliorer la productivité encore de mes usines. Construire plus vite des usines civiles. Il aurait dû arriver normalement un mois et demi plus tôt. Mais vu que j'ai fait une boulette FK Afghanistan, ça me coûte un mois et demi de recherche. Alors ici on va tout de suite attaquer avant qu'il soit reconstitué. Voilà. Ici on va rétrécir la ligne de front, voilà. Tout le monde est content. Voilà. Voilà, donc là, assaut amphibie, traversée de fleuve, moins 30, bon, c'est normal. Mais bon, ça va bien se passer, voilà. Donc ça, c'est fait, maintenant, une autre percée au niveau de ses vies. Voilà. J'attends que mes troupes soient totalement réorganisées et on lance l'assaut. Et l'avantage en même temps, ça vous permet d'XP vos unités. Vu que c'est des petites brigades,
En troupes, ça va s'XP plus vite que des grandes brigades. Ce qui est logique d'une certaine manière. Donc les troupes qui vont vraiment nous poser un problème, ce sera les troupes allemandes, les troupes espagnoles se battent plutôt rapidement. Enfin, sont plutôt rapidement battues plutôt. Alors cette unité, on va rajouter tout de suite les reconnaissances, voilà. Voilà. Normalement ça va me manquer un peu, même pas. Parfait. Et mon industrie continue à augmenter. Éducation contre l'Azerbaïdjan terminée. Donc là je peux attendre jusqu'au 10 janvier. Donc on va attendre début janvier pour continuer un peu à faire la guerre d'Espagne. Ça c'est des plaines, ça c'est une ville. Industrie concentrée. 37 arrive, mais il nous faut rapidement ça. Ah, j'ai déjà moins 12 en recherche là, j'ai mes recherches qui sont très vite avancées déjà là. 36, est-ce qu'il me faut autre chose en 36? 128 jours, non, on va. Je vais faire un petit tech rush, je sais que c'est pas bien. Mais là-dessus, ça me fera faire gagner un peu de temps pour l'année d'après. Et j'ai déjà moins 15, déjà moins 15% de durée de recherche grâce à tout ce que j'ai fait. Voilà. J'ai déjà à 14%. Autant vous dire que la guerre d'Espagne se passe extrêmement bien. Extrêmement bien. Voilà. Donc là j'ai une nouvelle division. Enfin je peux modifier de nouveau mes divisions. Celle-ci est bonne. Mes brigades de tanks. Alors, donc reconnaissance. Voilà. Donc là, sur les villes, là, je suis en train d'entraîner mon général. C'est ce même général-là qui va faire la campagne d'Afghanistan et d'Irak. Combattant des collines, génie, d'accord. Ah oui, si j'arrive à prendre le port, par contre, ça serait parfait, ça. Ouais, mon général continue à prendre les ordres, à attaquer, il se fait de l'expérience. Bon, il y a une perse. Il veut un passement de recherche, ça c'est parfait, il nous en fait rien de plus. On va faire maintenant le pont quinquennal pour gagner de l'industrie en plus. Et on va pouvoir lancer un deuxième tech crush au niveau productivité ou industrie... productivité. Donc là maintenant on va lancer un assaut. Donc on a déjà repris la région andalouse, on a déjà sécurisé un peu le sud. On aurait fortement aidé l'Espagne. Nos troupes vont maintenant se replier pour la campagne d'Iran. Voilà. En général là, général Zoukov, voilà, va lancer l'assaut. Donc là je vais avoir plein d'attrition du fait qu'on va traverser les déserts tout ça. Je ne vais pas attaquer à l'ouest. Parce que j'ai aucune raison d'attaquer vers au niveau de Bakou, etc. Et normalement il n'y aura pas beaucoup de divisions qui va me bloquer. D'ailleurs, c'est en train encore de faire effort d'armement. Je peux me permettre de faire durer peut-être au pire la guerre un petit peu. Pour récupérer une usine militaire en plus, c'est pas déconnant. Quoique,
à ce stade-là, c'est pas encore très important. Ken, maintenant, c'est terminé. Il va maintenant... Non, c'est déjà fait. On va arriver en début 37, donc on va faire maintenant le dernier. C'est bien. Toutes mes recherches d'industrie sont déjà lancées. Zoukov avance bien. Au niveau de l'Espagne, alors ça se passe comment? L'Espagne, mes forces sont retour à Leningrad. Vont être ici, ils vont se teindre en jaune pour l'Espagne. Jaune Espagne, voilà. Alors, de ce qu'on a vu, ils ont fait une percée au niveau de la Catalogne. Ils ont fait une percée autour de Valence. Mais si l'Espagne arrive à reprendre ça, enfin ces poches-là, ça sera déjà excellent pour eux. La guerre s'annoncera très bien pour eux. Et là, quand t'as mes troupes, bah, c'est bien, j'avance, je rencontre aucune résistance. Si conquérir, ça 91%, normalement, une fois que j'aurai terminé l'Iran, il y aura l'Irak. Ah bah voilà, début. Industrie militaire, justement. Une deuxième ligne de matériel militaire, enfin d'armes. Pour satisfaire la demande. Donc c'est dire que j'ai récupéré une usine militaire quelque part. Dans mon avancée. Ouais, ça s'est occupé. Ouais, voilà, c'est occupé. Donc j'ai déjà récupéré, je crois, deux usines civiles, si j'ai bien vu, c'est ça. Et une usine militaire, d'accord. Donc là, je vais pas attaquer là-haut, parce que l'avantage, c'est que si j'attaque que d'un front, il va se faire plus d'expérience, voilà. Et actuellement, j'ai vraiment besoin d'avoir un général assez expérimenté pour une bataille tendue. Après, Konev pourrait s'expérimenter aussi, mais s'il s'expérimentera en Turquie, ça sera son front. Voilà, bon, mes troupes avancent tranquillement. On a reproche. Bon, je vais quand même lancer l'assaut là-haut. Parce que sinon. Voilà, on s'en fiche de la préparation. Il n'y a qu'une troupe. Autant avancer tout de suite. Voilà. Runner Desert, déjà 7%. Mosul terminé, voilà. Comme ça, cette armée-là, l'avantage, va s'occuper directement. Oh, quoi que l'Irak. Allez hop, déclare la guerre. On voit, il y a dépassement, on mise beaucoup mon matériel. C'est malheureusement, c'est le désert, quoi. Et si je peux obtenir retrait renard du désert, ça serait parfait. Mais bon, j'en doute, hein. Qu'on soit honnête. Donc là-bas, bon, la poche-là, elle continue à grossir, j'ai l'impression. Celle-ci s'est stabilisée. Ils sont en train de reprendre. Enfin, essayer de reprendre Valence. En fait, ah, j'ai pas vu, ils ont pris le nord. Pas mal. Ah, cette guerre-là pourrait peut-être tourner à l'Espagne nationaliste pour une fois. Ce serait pas des... Ce serait pas déplaisant. Voilà. Donc mes deux généraux lancent les assauts simultanément des deux fronts. Donc c'est vraiment des petites guerres là, hein. Mais ça me rapporte de l'expérience comme je vous ai dit. Plan quinquennal terminé, l'effort d'armement, ça me donne quoi? J'ai juste de l'expérience. On va tout de suite lancer les grandes purges. Alors nous sommes en 37. Ouais, c'est bon. J'aurais dû faire un autre truc avant, mais tant pis. Hein. Je l'ai fait, j'accepte. Donc
mon plan d'assaut s'est ultra bien déroulé, on va pas se mentir. Voilà, directement. Ici, lui, c'est pas son oignon. Bah, renversé. Les divisions ont disparu déjà. Voilà. Donc voilà, ça c'est de toute façon c'est les deux meilleurs généraux de l'armée rouge. Et je crois pas qu'ils soient menacés par Paris Complot et encore. Quoique, faudrait vérifier quand même. Je crois que Zhukovsky pourrait être limogé. Parfait. Donc Iran, à moins que je me trompe, je vais te prendre entièrement. Voilà. Parfait, industrie là. Troupes de recherche. J'ai plus de recherche dans l'industrie que dans. Quoique les deux peuvent être utiles. J'ai jamais fait le compte, je préfère l'industrie. Ouais, voilà. Donc voilà, tout de suite on va récupérer cette province là. Irak. Alors que ça appartenait à moi. Comme ça je me suis fait des nouvelles industries civiles. Je dois récupérer 8 de mémoire. Plus quelques militaires. Qui dit 8 de plus dit plus vite de la construction. Qui dit plus de construction dit plus de moyens. Bon, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours le but, c'est de prendre. Arme de soutien terminée. 37. Qu'est-ce qu'il y a en 37? Il n'y a pas grand-chose, je crois. Il y aura les canons qu'on pourrait faire en 37. Ouais, il y a surtout ça en 37. Donc on va chercher dans les canons. On va faire aussi les canons de charge juste après. Celles-ci ont déjà été modifiées. Mes troupes d'infanterie bon, bah, vont être modifiées. Hein. Il fallait bien que ça arrive. Ça va mettre reconnaissance, génie... artillerie, voilà. Alors celle-ci modifiée, supprimée. Alors pourquoi je fais ça? Reconnaissance, génie, artillerie. Ah, je perds pas d'expérience, magment. Voilà. C'est juste pour qu'elle soit alignée. C'est pour moi, c'est une aide de personnel que j'ai besoin. Voilà, reconnaissance, génie maintenant en deuxième. Voilà. Toc, 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 tac, tac. Voilà. Maintenant, tu peux lancer la soupe. Donc, ce général-là. 5% roublard, 5,17, 32% ici. Donc, Zhukonev peut déjà reprendre le commandement du corps expéditionnaire. Zhukov, je veux dire. Konev, lui, va continuer la campagne là. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'avantage avec la Russie par rapport aux autres factions, c'est qu'on peut facilement faire beaucoup de guerre en début de partie. Je pourrais préparer une invasion de la Roumanie avant qu'elle rejoigne un des camps, mais je préférerais éviter, en soi. D'ailleurs, l'armée là, je vais déjà mettre un plan d'attaque. Voilà. On peut dire que c'est un plan téméraire, mais en soi, il n'est pas si téméraire que ça, quoi, croyez-moi. Voilà, tout de suite, on va lancer les assauts un peu partout. Bagdad est en train de tomber. De toute façon, plus 10% d'attaque un peu partout, c'est pratique. Hein. Donc, expert blindé, c'est avantage de... 10% d'attaque blindée, je vous laisse imaginer si je rajoute en plus mon... Il est où? C'est un grand général, je crois. Voilà, plus 15, donc... plus 15, plus 15. Voilà, ça a fermé à ce moment-là. Ça, c'est bon. Excavation, on va le faire.
ça c'est bon, ça c'est bon. Ça donne de l'artillerie encore. Voilà. Ah, j'aurais pu faire logistique. L'armée du Caucase maintenant va être totalement ratitrée ici. Maintenant qu'on a fini cette guerre, on peut renvoyer nos divisions là-bas. Azukov, déjà renvoyé. Alors, ici, procès du centre antisoviétique trotskiste. Malgré l'exil forcé de Trotsky, Joseph Staline craint la présence secrète de ses partisans au sein du parti. Une série d'arrestations et d'interrogatoires ont été menées afin d'obtenir des aveux et des témoignages pointant, comme par hasard, vers plusieurs rivaux de Staline. Mais au fil des interrogatoires et des investigations d'un peu secret, les personnes toujours plus nombreuses sont impliquées, parfois indirectement. Les membres du parti commencent à penser que le pouvoir absolu de Staline et la mort de sa femme ont au point de voir en chacun une menace. Mais ce n'est-il pas l'habitude classique d'un traître? La femme de Kalinine est soupçonnée, n'est plus digne. Tout supprime Mikhaïl Kalinine. Khrouchtchev a flirté avec le Trotskiste par le passé. Puis on dégage. Les aveux de Radek impliquent plusieurs membres du parti. Mention de 15 potes politiques, ils ne savaient pas le faire. Où les membres du parti sont dignes de confiance. Le problème des guerres civiles, c'est qu'il y en aura beaucoup trop. Je perds beaucoup de troupes. Donc allez faire Khrouchtchev à flirter. Parce qu'il me sert à rien. Ouais, je suis déjà communiste, bon, un peu de démocratie, un peu de... Tragédie d'Edimbourg, Edimbourg a été détruit, bravo, 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 35 victimes aux États-Unis. Bravo les Boches. Excusez-moi, les Allemands. Nos chers camarades fascistes, bravo. Voilà, traiter avec l'URSS de recherche, ça, ça va être très, très, très utile. Et j'espère avoir le même bug que j'ai eu en entraînement. En entraînement, j'ai eu un bug avec ce traité-là. J'avais indéfiniment 50% de bonus de recherche. Jusqu'à ce qu'on soit en guerre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pu... C'est véridique. Je pourrais vous... si je pense, je vous montrerai. Alors, on était en 41. J'avais déjà été 44. En 41, oui. Alors ici, hors poche, c'est fermé. Faut voir les troupes qu'ils ont. C'est équitable, quand même. D'accord. Donc mes troupes vont se mettre ici. Et on commande de traverser la rivière. Voilà. Bon, bon, j'ai plein d'hommes, là, maintenant. Mais bon, j'ai toujours pas assez de matériel de secours. Toujours garder ces productions là, ils sont importantes quand même. Bah, bombardier stratégique parce que je joue Union soviétique et j'ai envie de tout démolir avec. Mais voilà, c'est après. Industrie concentrée, c'est fait. Normalement, les hôpitaux sont pas nécessaires, j'ai tellement de. Enfin, pour gagner d'expérience, ça pourrait être utile. BT7, j'ai totalement zappé. Allez, nos assauts vont être lancés. On va voir bien ce que ça donne. Donc ici on a récupéré quoi en... Une base navale, une usine militaire, une... Alors, on a récupéré... 3 usines militaires, une usine navale, une usine civile. Toc. 2 usines militaires et 8 usines civiles. 1, 2, 3, 4. 4 usines civiles, possible. Je sais plus combien ils en avaient. Bon, peut-être pas mal quand même. Pas en une en plus, quoique j'en ai construit pas mal aussi entre temps. Ah là là. Procès secret des généraux. Rang de l'armée rouge ont toujours abrité les éléments subvertifs, même à l'époque Trotsky était commissaire de la guerre. Des documents récupérés par NKVD indiquent que les hauts gradés se seraient livrés
non pas des actes de trahison, mais des missions d'espionnage. Michael Tukhanovski fait partie des principaux suspects et Staline entend bien se débarrasser de débarrasser l'armée. En même temps, il faudrait qu'on contacte des officiers de la marine avec des étrangers qui ont des arrestations du bon nombre entre eux. S'il existe des documents ennemis attestant de leur compétence, rien ne dit qu'ils n'ont été pas avec toute pièce ou rédigée sur base d'informations erronées fournies par les auteurs de ces purges. Voilà, soit ça, soit ça. Rovoski, là je risque de perdre beaucoup. Constantin Rovoski, je risque de perdre, donc voilà. En tout cas, j'essaie, si je perds donc Michael, mon meilleur maréchal que j'ai en début de partie. Donc attaque, bon, de toute façon j'ai pas que choix. Défense de l'armée. Ah, donc je viens de perdre le général là, de l'armée de Pologne. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un général au pif pendant pluie. De faire ça, 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 ça. Voilà. Parce que sinon les généraux qu'on vous laisse de base sont de maréchaux de niveau 1. Voilà. Donc pour éviter le souci des maréchaux de niveau 1. Bah comment on fait? Alors mes troupes s'entraînent plutôt bien là-bas. Normalement j'aurai bientôt IBT7. Bon là c'est parfait, là je gagne plein de populations civiles, plein d'armées. Voilà, donc ça avance plutôt bien. Bon là on commence à frapper des personnes un peu plus compétentes quand même par rapport à ceux du début. Mais bon. Avant on s'était repris, je vais peut-être aller là-bas pour reprendre Valence. Il faudrait qu'on arrive à repousser tout le monde derrière sa rivière. Disparition d'Améga. Earthheart, donc a disparu au milieu de la mer. D'accord. On va y repousser en fait comme ça. Voilà, comme ça. Au-dessus de Saragosse. Après, faire une offensive comme ça. Faire une offensive peut-être comme ça. Pour créer une grande poche là. Enfin bon, on avisera bien. Quoi qu'il en soit, je vais laisser mon général faire. Les grandes purges avancent. Regarde Espagne, continue, continue, continue. Capitalisme, alors voilà, on va s'arrêter là-dessus. Les deux camps vont être longs. Malgré une rhétorique attentatoire au peuple et à la souveraineté logique de l'Union soviétique, Adolf Hitler et l'Allemagne se tournent à présent vers nous pour citer un traité de recherche dont chacun profiterait, même si les champs d'information seraient utiles. Mettre au point une nouveau char en autres avantages pour l'avenir, il va sans dire que les Allemands, au vu de leur présente déclaration, se rendent, se revoient pour servir dans leur propre intérêt. Devons-nous accepter cette proposition? On risque de faciliter les ambitions d'Adolf Hitler. Les capitalistes constituent pour chacun la pire des menaces. Ça, je suis d'accord. Nous offrirons pas aux fascistes ces armes, donc pour être... Non. Que sinon, ici, délai de recherche 75%. Autant vous dire, ça risque d'être un truc sans nom. Modèle char moyen, moins plus 100% et deux modèles de recherche technologique. Voilà, donc ça, il va pas profiter. Donc ce sera les suivants qui en profiteront. Ce qui est parfait. Donc, je vous remercie de regarder avec moi cette partie de ce let's play avec l'Union soviétique. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde.